Alors, je m'appelle Julien Maurice, je suis actuellement au niveau professionnel ingénieur en technologie de l'information. Alors, au niveau de mon parcours, j'ai en fait passé un master donc, en technologie de l'information. Donc, c'était vraiment un master ciblé vraiment sur le travail que j'exerce actuellement. Il faut savoir que je travaille actuellement dans une école de chimie. Et mon but, mon rôle dans cette école est d'améliorer en fait la pédagogie grâce aux nouvelles technologies. Donc, ce qu'on appelle les TICE, donc les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Pour réaliser à bien cette mission, j'ai besoin d'utiliser donc des outils qui vont me permettre donc de développer la pédagogie par le biais, encore une fois, des nouvelles technologies. C'est pourquoi, dans le cadre de mon travail, j'utilise beaucoup de logiciels, notamment des logiciels de type LCMS, Learning Content Management System, qui vont permettre en fait aux enseignants de mon établissement de mettre en place des activités d'apprentissage à distance pour leurs étudiants, par exemple. Ils vont également permettre aux étudiants de collaborer entre eux, de faire des tas de choses. C'est tout ce qu'on appelle le domaine de la médiation, en fait. Ces plateformes d'enseignement donc de type LCMS, Learning Content Management System, vont permettre aux enseignants de mettre en place donc des activités d'apprentissage à distance. Elles vont les permettre également aux étudiants de collaborer entre eux, etc. Et donc, moi, par rapport à tout ça, j'apporte une expertise puisque je vais devoir donc former mes enseignants à l'utilisation de cette plateforme. Et j'ai souvent d'ailleurs formé par le biais de vidéos, ce qui peut-être m'amène aujourd'hui à faire des formations pour justement Vidéo to Guide. Alors donc, en plus de mon travail en tant qu'ingénieur en technologie de l'information, je donne aussi parfois des cours dans le domaine de la pédagogie. Parce que finalement, mon métier est vraiment entre l'aspect, je dirais, technologie et pédagogie. Donc je donne des cours dans mes universités, des cours d'ingénierie pédagogique ou même de projets professionnels pour aider donc, les étudiants à s'orienter, etc. Donc c'est un petit peu des choses que je fais en annexe. Mais ce qui est intéressant avec la pratique de ces cours, c'est que ça me met également dans le rôle finalement de l'enseignant et que je vais pouvoir, entre guillemets, voir les problèmes qui peuvent se poser. Je vais pouvoir mettre en pratique en fait la pédagogie aussi par le biais des TICE. Donc je vois en même temps l'aspect, on va dire, expertise dans la mesure où donc je dois former mes enseignants pour utiliser les TICE, etc. au sein de mon établissement. Et en même temps, je mets en place mes propres cours de cette manière-là. Donc ce qui m'apporte vraiment une double compétence, je dirais. Au sein de mon établissement, je suis également responsable du C2I, donc du Certificat Informatique et Internet. Donc c'est pareil, à ce titre, je vais faire donc des formations, encore une fois en utilisant donc les TICE, et je vais faire également donc des formations dans le domaine de l'informatique, de l'Internet, du numérique, ce qui m'apporte encore des compétences dans le domaine. L'un de mes domaines entre guillemets d'expertise est donc l'utilisation d'un LCMS très connu, d'un Learning Content Management System très connu qui s'appelle Moodle en fait. Au sein de Vidéo to Brain, je fais donc une formation sur ce logiciel Moodle. Alors c'est une formation, je dirais, plutôt pas à pas qui va permettre donc aux apprenants, aux utilisateurs également, de maîtriser en fait l'outil. Alors je conseille pour apprendre à bien utiliser cet outil de regarder chaque vidéo et ensuite, si possible, de mettre en place les connaissances acquises pour les transformer, je dirais, en compétences sur une plateforme que vous aurez installée donc chez vous, ce qui vous permettra donc au terme de cette formation de bien maîtriser l'outil.